des manifestants par milliers et une grève afin de défendre la peine de mort pour blasphème. Nous sommes au Pakistan où un ancien ministre a déposé à titre personnel un amendement visant à abolir la peine capitale en cas d'insulte à l'islam. Les militants des droits de l'homme estiment que la loi incriminée sert à persécuter les minorités religieuses et à alimenter l'extrémisme. Même si le gouvernement a nié vouloir amender la loi, le mouvement de protestation et la grève ont été maintenus ce vendredi. Pour ces manifestants, il s'agit de protéger l'honneur du prophète Mahomet. La grève a été menée dans les grands centres économiques du Pakistan à l'appel d'une douzaine de partis islamistes. Et ce, alors que le gouvernement traverse une crise politique, le principal parti musulman ayant quitté la coalition au pouvoir.